Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je sais pas encore si ce sera juste des petites présentations. Je pense qu'il y aura du vlog dedans parce que vous m'avez demandé si je vous ferais un room tour de mon bureau maintenant que je peux être dedans. Je te ferai ça après, ça me gonfle. Et que les collections sont quand même beaucoup mieux installées parce que j'ai déboxé beaucoup de choses. Donc j'avais répondu à l'un d'entre vous en commentaire en disant que je pense que je ferai certainement, et sur Instagram aussi, meuble par meuble, de façon que ce soit pas une vidéo trop longue, et pour faire découvrir un petit peu ce que j'ai pu acquérir tout au long de ces nombreuses années. Voilà, donc cette semaine on a bossé, on n'a pas fait grand chose de mémoire, je ne crois pas, mais en tout cas hier il y a Aurélie, donc c'est la même personne qui était venue aider à ranger mon bureau. J'avais dit il faut absolument que je range aussi le garage parce que je l'avais déjà fait une première fois mais j'avais pas assez trié clairement. Et comme les encombrants passent chez nous donc mardi matin, je voulais absolument m'occuper du garage. Donc elle m'a proposé de venir m'aider, je lui ai dit bah écoute avec grand plaisir. Elle adore faire ça et moi ça me motive grave. Donc du coup bah il y a beaucoup de choses qu'elle a emmenées. Qui seront donc sur des groupes de dons. Il y a des choses qui sont parties aux encombrants concrètement parce que c'était vraiment abîmé. Et faut savoir que Liès et moi et les enfants d'ailleurs, on ne va jamais voir ce que les gens déposent aux encombrants, jamais. Sauf que là, vu qu'ils passent mardi et qu'il y avait des choses à mettre, Liès et Aurélie ont été donc pour déposer ce qu'il y avait à déposer. Et là, ils sont tombés sur deux cartons ou un sac, un carton, je ne sais plus, avec des jouets. Mais quand je vous dis neuf de chez neuf, un truc de malade. Donc, Swan, je lui ai permis de garder quelques petites choses. Il y a Aurélie qui a emmené tout le reste pour notamment pour le groupe de dons et peut-être offrir des petits cadeaux pour dans sa famille si elle peut parce que franchement je lui ai dit c'est archi neuf. Donc autant en profiter. Donc du coup Swan est hyper motivée cet après-midi pour aller promener Diego et pour aller faire un tour. Mais je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance. Après ici il jette beaucoup de choses et souvent de valeur. Ils se prennent vraiment pas la tête, c'est une catastrophe. Mais oui, effectivement, j'ai une fille sur Instagram qui m'a dit pourquoi elle ne donne pas ça à des associations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je te dis, là, on est tombé dessus vraiment par hasard. Sinon, bah, ça aurait été béné ou peut-être pris par d'autres personnes. Je ne sais pas. Parce que là, il faisait jour, donc on a pu voir. Donc j'ai fait une petite liste de ce qu'on a récupéré. Donc on a récupéré. Enfin, Swan est tombé là-dessus. Ou Lia, je ne sais plus. Non, c'est Lia qui est tombée dessus parce que Swan n'était pas avec eux à ce moment-là. Une baguette comme ceci des 25 ans. Il faut savoir que ce type de baguette sur le parc, ça vaut une blinde. Ça doit être dans les 20 ou 25 euros. L'IS a changé les piles et elle fonctionne. Voilà, hop, chercher le bouton. Donc elle s'éclaire de différents modes. Voilà, voilà. Et vous l'éteignez. Donc, ça fait mal au cœur de jeter ça. Je vérifie parce que j'attends un livreur Amazon. Il suffisait simplement de changer les piles. Bon, après, les gens, a priori, n'en avaient plus l'utilité. Donc, ils l'ont récupéré et je vais le remettre là où c'était tout de suite. Je vais bien l'éteindre, par contre, ça va clignoter toute la vie. Hop, avec les peluches. Donc, j'étais déjà très contente qu'il me ramène ça. Ensuite, Swan, à chaque fois qu'on sort des Pirates des Caraïbes, nous réclame une épée des Pirates des Caraïbes, en sachant que j'en avais déjà acheté deux par le passé. Il y en a une, ils l'ont cassée, et l'autre, je sais plus ce qui lui est arrivé. Donc à chaque fois, je lui dis non, non, à chaque fois, c'est 20 ou 25 euros, pareil. Et là, il y en avait une. Donc voilà, et pareil, il suffisait simplement de changer les piles. Et elle fonctionne parfaitement. Donc vous avez le mode play et le mode try me. Voilà. Donc elle est, bon, elle est un petit peu abîmée, hein, mais pour aller sur le parc Disney, autant vous dire que ce sera très bien. Donc Swan était très content. Je vais la mettre par terre. Voilà, on n'a pas la casser. Ensuite, Swan a craqué, donc ils ont fouillé les sacs avec Aurélie et Liès. Et Swan a craqué pour ce collier Vaiana, comme ceci. Donc c'est un collier en plastique. En fait, vous avez le cœur là, de l'océan, je crois, ou je confonds avec Titanic, moi. Bref, on s'en fout, et en fait il s'éclaire, donc vous avez un petit bouton, alors je pense que vous n'allez pas voir, je vous ai mis une photo sur pareil, sur mon Instagram, parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais voilà, le cœur en fait ici s'éclaire, donc je lui ai permis de le garder, pareil, voilà, il était super content, donc il a même dormi avec, donc là je lui ai retiré, et voilà, c'est pareil, je pense que c'est une petite bricole qui doit venir certainement d'un costume, mais pareil, c'est le genre de truc, ah, excusez-moi, je me mets par terre pour le remettre dans sa chambre. Il était super content.
Ensuite, c'est pareil, il a pris un puzzle, donc on l'a fait ce matin, donc là la boîte est vide, mais je vous le montrerai tout à l'heure quand je vais descendre, puisqu'il est fait sur ma table basse. C'est un puzzle 200 pièces, alors il m'a dit que c'était quoi? Chasseur de trolls. Voilà, chasseur de trolls, donc il a commencé à le faire hier, on l'a fini tous les deux ensemble ce matin, et il est complet, et comme vous pouvez le voir, la boîte est nickel. Enfin, les gens, ils se sont vraiment pas pris la tête, quoi. Donc on l'a fait ce matin, je vais le mettre de côté aussi, parce qu'il faut que je redescende. Et que je le range dedans, mais en tout cas il est impeccable. Ensuite, pareil, alors ça, truc de dingue, en fait vous savez, Swan a un poupon qu'il a baptisé Bubule, il l'a eu il y a 2 ans en fait, donc il a un landau et tout, et pareil, dans le sac il y avait 2 poupées corolles comme ceci, en parfait état. Donc si vous avez déjà acheté des poupées corolles, vous connaissez à peu près le prix, c'est horriblement cher. Ce sont de très jolies poupées, hein, il n'y a aucun problème, mais ça coûte très très cher. Moi quand Kisha était petite, j'en avais offert une ou deux, et je me souviens que déjà à l'époque c'était pas donné, et Kisha a aujourd'hui 19 ans, vous voyez. Donc une petite poupée comme ceci, avec un espèce de pyjama tutu. Et la seconde se présente comme ceci, et pareil, elle est en parfait état. Donc Swan m'a demandé s'il pouvait les garder, voilà son floquet corolle ici. Swan m'a demandé s'il pouvait les garder pour avoir des petites sœurs pour Bubule. Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et le jour où Swan, il veut pas faire le focus lui. Et le jour où Swan jouera plus avec, puisque bah, ça arrivera forcément à un moment donné, soit je les donnerai à mes nièces, soit bah, elles iront sur un groupe de dons. Mais franchement, elles sont en parfait état, elles sont nickel. Donc elles étaient dans le landau de Soane, donc je lui ai pris pour vous les montrer. Et ensuite on a aussi trouvé des figurines, notamment 2 petits Mickey, dont un sur le thème de Jack, donc autant vous dire que Lias était très content, et 3 petites figurines aussi de l'univers L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais pareil je vous les montrerai tout à l'heure parce qu'elles sont en bas, elles sont installées, et 2 petites figurines Vaiana aussi. Et on a trouvé aussi des dinosaures, donc notamment des squelettes de dinosaures que j'ai mis dans un sac pour ma soeur, puisque le thème de sa fête de fin d'année cette année, ce sera le thème des dinosaures, donc je lui ai mis de côté. Et Soane a aussi trouvé des trésoristes, donc vous savez, c'est des petits personnages là, c'est pareil, ça vaut super cher. Il m'en avait demandé pendant un moment, fallait gratter, je sais plus quoi, il y avait des coffrets, du sable et tout. Bref, il y avait 2-3 figurines trésorix. Ils sont dans sa chambre, si je peux vous les montrer avant la fin de la journée, je le ferai. Mais en tout cas, il va les emmener chez son papa, puisque tous les trésors sont là-bas, donc autant qu'ils soient tous réunis là-bas. Voilà, je pense que je vous ai tout parlé, entre guillemets, de ce que l'on a gardé. Mais je vous dis, il y avait énormément de choses, c'était un truc de dingue, il y avait un gros carton, un énorme sac. Donc voilà, donc pourquoi les gens jettent, je n'en sais rien. Mais en tout cas, sachez qu'ici, ça a fait des heureux. Et ça fera très certainement des heureux sur le groupe de dons. J'ai envie d'éternuer à cause du soleil. Ensuite, sur le fameux groupe de dons, justement, je m'étais positionnée pour adapter ce sac en fait que Nani donnait. Donc c'est un sac en espèce de paille, juste une petite tache ici, mais rien de bien méchant. Et moi, pour aller au boulot, c'est genre vraiment le truc ultra, ultra pratique quand j'ai pas envie de trimballer mes Loungefly. Il se ferme avec une fermeture éclair comme ceci, voilà. Et je le trouve vraiment sympa, comme ça, dans les tons marron et cru. Donc je l'ai adopté, et du coup bah comme Aurélie est passée hier, elle me l'a ramené. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Toujours à Nani, j'ai adopté aussi ceci. En fait, ce sont des compléments alimentaires en fait pour favoriser les défenses immunitaires. Donc voilà, donc c'était tout neuf, hein. J'ai commencé du coup bah, hier. Il y a 60 gélules dedans, donc 2 à prendre par jour, donc un traitement de 1 mois. Donc parfait, voilà, ça peut m'aider à avoir un peu plus d'énergie et ne pas tomber malade, ce sera parfait. Donc ça, faut que je vais le remettre dans ma chambre. Ensuite, j'avais dit que j'ai noté parce que j'oublie tout. Je voulais vous montrer ça aussi, puisque ça y est, l'album Cora est terminé. Donc je remercie encore une fois Céline et Laura qui nous ont permis. Donc Céline qui nous l'avait largement avancé, puisqu'il nous manquait, je crois, à la fin, que 3 ou 4 étiquettes. Et Laura qui nous l'a aidé. C'est Laura ? J'espère que je ne trompe pas de prénom. Qui nous a permis de terminer. Donc autant vous dire que ça est très content. Tous les stickers sont collés. Donc il va aller là dans tous les albums que j'ai. Panini, stickers collés. Je pense que soit à la fin de l'année, soit début de l'année, je ferai un bilan des Panini qui doivent être terminés. Et je commanderai, comme je vous dis, au bout d'un moment, les stickers manquants sur Panini. Mais nous les Panini, on adore faire ça. Et on n'a pas de Cora par chez nous. Donc sans Céline et Laura, très clairement, on n'aurait jamais pu le faire. Donc encore merci les filles. Je regarde mon truc parce que je vous dis, j'ai oublié la moitié des choses. Nous sommes allés à Disney. Nous sommes allés à Disney quand ? Le dernier jour d'Halloween, donc sur le thème Halloween, donc c'était le 6 novembre.
Je pensais très sincèrement qu'on n'arriverait pas à voir les cartes d'Halloween parce qu'on y allait le dernier jour. Et finalement, y en a une qu'on a réussi à avoir, donc Cruella, assez rapidement dans une boutique. Donc voilà, donc on était déjà très très contents. Puisque j'avais déjà eu Maléfique grâce à Céline. Et ensuite on a été donc à la boutique du château, mais il n'avait pas Evil Queen, donc il nous a redonné une Maléfique. Voilà, hop, une Maléfique comme ceci. Et en sortant des Pirates des Caraïbes, là où normalement est donné le Capitaine Crochet, elle n'avait pas de Capitaine Crochet, donc elle lui a donné une petite carte comme ceci. Pumba, voilà, donc apparemment ce sont des cartes aussi à collectionner. Et je me suis dit, bon bah écoute, c'est tout, hein. Et à un moment donné, ils faisaient une annonce comme quoi le spectacle des méchantes près du château était annulé à cause de la météo. Et là, je tombe sur un guest flou, en fait. Donc, vous savez, c'est les personnes en rouge, là. Et je lui demande à tout hasard s'il aurait des cartes. Et là, il avait un stock, mais juste de malade. Et il me dit, en fait, on les a reçus le 20 octobre. Parce que moi, je lui dis, on est passé le 19, on les avait pas vus. Il me dit, non, on les a reçus le 20. Et on a reçu un stock juste de malade. Donc, il me dit, si vous avez des gens sur le parc en charge, n'hésitez pas à les orienter vers nous. Et du coup, il nous a donné donc les manquantes. C'est-à-dire donc Evil Queen et le Capitaine Crochet. Donc autant vous dire qu'on était ravis. Voilà, franchement, il nous a dit n'hésitez pas à orienter les gens vers nous parce qu'on en a vraiment. Mais quand il nous les a sortis, on s'est dit mais juste incroyable quoi. Donc j'étais contente parce que franchement, je pensais pas du tout qu'on arriverait à les avoir. Et ce jour-là, j'ai acheté 3 pins, mais je vous les montrerai puisque je vous ai montré les planches qui étaient ici dans mon bureau. Et les deux très grandes, en fait, je les ai mis dans notre chambre. Donc Aliès et moi. Et j'ai acheté 3 pins sur le thème d'Halloween. Mais pareil, je vous les montrerai tout à l'heure. Puisque là, Aliès est en train de regarder un match de foot. Donc nous n'allons pas l'en papaouter. On verra ça tout à l'heure. Il n'y a aucune urgence. Et ce jour-là, on a eu la chance de pouvoir enfin, de nouveau avoir un rendez-vous avec un super-héros. Et cette fois-ci, c'était Spider-Man. Donc il faut savoir que les photos sur... il faut absolument que j'investisse dans le photopass. Il faut absolument que j'investisse dans le photopass. Mais en attendant, je n'ai pas le photopass. Donc du coup, vous pouvez imprimer les photos. Mais simplement, en fait, ils vous mettent des têtes de Mickey partout. Ce que je trouve pas forcément hyper gênant. Donc je les ai imprimées du boulot et je les ai plastifiées, voilà. Donc Swan était trop content, celle-ci je la trouve magnifique, il est tout timide face à Spider-Man. Voilà, donc tout ce qui était sur le Photoshop, entre guillemets, je les ai imprimés avec la pose de Spider-Man. Franchement, je serais bien tentée d'en prendre au moins une et une photo de famille, voilà. Mais le problème, c'est que c'est, je crois, 19€ la photo, donc j'ai dit, il faut vraiment que j'investisse dans le Photopass. Et là, c'était la rencontre avec Iron Man. Voilà, pareil, vous avez les petits cœurs, mais bon, on voit quand même bien Swan et Iron Man. Voilà, donc il y en a je sais pas combien. Celle-ci aussi, je la trouve super sympa, avec sa bague là. Et du coup, bah, je lui imprime en fait du boulot et j'ai la plastifieuse Action à la maison qui fonctionne très très bien. Donc du coup, bah, je lui plastifie, ça lui fait quand même de jolis souvenirs. Et j'ai oublié un truc en bas, c'est pas grave, je verrai ça après. Ensuite, en ce qui concerne les commandes Amazon, donc j'ai passé 2-3 petites commandes sur Amazon. Donc la première qui était pour moi la plus importante, c'était le calendrier de l'Avent pour Keisha. Donc je vous en avais parlé en fait, je voulais lui trouver un truc un peu beauté ou machin, c'était un peu compliqué. Et en cherchant, en fouinant, j'ai trouvé celui de Cottage que j'ai trouvé vraiment très sympa. Donc à l'intérieur, vous avez des gels douche. Donc ce sont des formats 50 ml à chaque fois, mais vous avez des gels douche, des laits hydratants, des huiles, des douches d'huile aussi. Et vous avez aussi, je crois, des gommages, il me semble, ouais, gommages. Donc vous avez des parfums différents, hein, caramel, monoï, violette, karité, vanille, passion, argan, coco, framboise, pomme d'amour, enfin bref. Plein de parfums à découvrir, 24 cases, 24 petits formats à découvrir, comme ça bah, après elle pourra choisir quand on ira dans les magasins. Je l'ai pris sur Amazon, puisqu'en fait sur le site de Cottage il était au même prix que sur Amazon, sauf que sur Cottage il y avait des frais de port, sur Amazon avec Prime je n'ai pas de frais de port. Il était à 33,90€, je trouve que ça va pour autant de petites miniatures de 50 ml. Donc voilà, donc elle va pouvoir le mettre dans sa chambre, mais il faut qu'elle patiente le 1er décembre. Et je ne savais pas du tout que ça existait, un calendrier de l'Avent Cottage. Et franchement il a l'air vraiment 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 génial. Et donc je vous ai dit donc 33,90€. De ce que j'ai reçu aussi de Amazon en fait, donc à la base moi j'ai ce parfum là, Simply Pink, donc de Pink Sugar. Donc c'est un parfum qui est extrêmement sucré en fait, donc il m'en reste la moitié. Les parfums c'est quand même assez cher.
Et du coup, je voulais essayer de voir si je pouvais pas le trouver moins cher. Et j'ai trouvé un compromis que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Ça sent trop bon, ça sent la barbe à papa. C'est en fait la brume en 236 ml et elle est au prix de 16,49€ donc sur Amazon actuellement. Donc en sachant qu'Amazon les prix fluctuent assez souvent, mais j'ai vérifié ce matin, c'était toujours le même prix. Donc voilà, donc c'est la brume corporelle Pink Sugar. Et si vous aimez cette odeur de barbe à papa et bonbons et que vous trouvez le parfum un peu cher, voilà, c'est un excellent compromis. Je l'ai depuis ce matin et j'embaume encore la barbe à papa. Chaque fois que je pense dans une pièce, je sens la barbe à papa à fond. Donc voilà, donc très content d'avoir pu le trouver à un prix sympathique. Et normalement, je vous ai tout montré ce que j'avais sur mon bureau. Je vais aller ranger tout de suite parce que je ne veux pas me réenvahir mon bureau. Je vais aller ranger tout de suite les affaires qui doivent retourner dans la chambre des garçons. Et ce qui doit retourner dans ma chambre, notamment une petite gélule pour pas que j'oublie de les prendre le matin. Et je vais aller chercher un sac que ma soeur a acheté chez... Enfin, plusieurs articles que ma soeur a acheté chez Noz pour un prochain anniversaire. Donc je pense que ce sera pour l'anniversaire de l'IS. Et voilà, donc je vais vous montrer ça avant d'oublier. Voilà, donc j'ai été chercher le petit sac que ma soeur... Donc, enfin, les articles que ma soeur a acheté pour un futur anniversaire, comme je le disais, je pense que ce sera l'IS puisque c'est le thème Batman. Et si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que l'IS adore Batman, il adore tout ce qui est Joker, compagnie et tout, Deadpool et l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc dans ce qui concerne Disney. Donc je vais vous montrer ce qu'elle lui a pris. Donc tout d'abord, elle a pris une banderole comme ceci, donc qui était à 75 centimes. Franchement, ça vaut le coup hein, pour faire des décorations pas trop chères pour un anniversaire. En sachant que nous, pareil dans le garage, il nous reste au moins, je dirais, 7 ou 8 étagères qui seront installées, mais pas avant le printemps 2023. Puisque la maison va être totalement repeinte, donc on va commencer par le bas. Donc au printemps 2023, on a quelqu'un de notre famille qui va s'occuper de ça, donc on est trop contents. Ensuite, elle a pris comme ceci 6 petits sachets à bonbons. Donc ça, ce sera très bien pour mes neveux et nièces les plus jeunes. Voilà, elles aiment bien repartir avec des bricoles. Et notamment des petits sachets de bonbons, donc à 1,50€. Ensuite, elle a pris ceci. Alors ça, ça casse la tête, mais les enfants adorent ça. Vous savez, c'est des petits sifflets comme ceci. Et vous avez la partie là qui se déplie là. Donc c'est 1,50€ pareil et vous en avez 6. Mais ça casse la tête, mais bon, voilà, pour les anniversaires, les enfants adorent ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a pris? Une deuxième guirlande, pareil, à 75 centimes, donc ça c'est parfait, pareil, on pourra en mettre dans un côté de la maison et une autre de l'autre côté. Donc après, je vous dis, je pense que ce sera pour l'anniversaire liesse, mais après, il n'y a pas d'obligation entre guillemets, mais Ilan n'est pas forcément un fan de Batman. Il aime beaucoup, mais c'est pas un fan, on va dire, de Batman. Kisha, on va passer. Et le problème de l'anniversaire de Johan et Sohan, c'est qu'ils sont nés le 2 juillet, donc je vous avais déjà expliqué. Donc ils sont toujours très gâtés, hein, vous inquiétez pas pour eux, ils sont pas du tout lésés. Mais c'est plus difficile pour nous de réunir de la famille, puisque soit c'est nous qui sommes partis en vacances, soit c'est ma famille, enfin les membres de ma famille sont partis en vacances. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué pour eux. Et donc à 75 centimes, pareil, elle a pris 6 petits chapeaux comme ceci. Le ridicule ne tue pas. Et voilà, donc je vais mettre ça dans, parce que j'ai une boîte en fait spéciale anniversaire. Donc voilà, je vais mettre ça de côté. Et on verra le moment voulu, n'est-ce pas? Et sinon, aussi en termes de bons plans, donc là j'attends une commande Amazon. Donc dès que je la reçois, je vous la montre. En fait, ce sont des jouets pour chiens, parce que tous les jouets pour chiens, j'en avais plus, tout avait été massacré. Donc j'ai repris un lot en plus sur les couleurs de Noël, donc rouge et vert. Donc le livreur devrait pas trop tarder. Et en parlant de bon plan, je voulais partager tout de suite sur mon Instagram dès que l'IS m'en a parlé. Donc c'était mardi en fait, il y avait moins 25% sur tout le site Shop Disney. Et aussi sur les trucs où il y avait déjà moins 30%, donc ça valait vraiment vraiment le coup. Donc dès que je reçois la commande, je vous montrerai une grosse partie. Je crois qu'il y a que deux articles de mémoire que je pourrais pas vous montrer puisqu'ils sont pour la fin de l'année. Et je voudrais pas que la personne tombe dessus.
Mais sinon tout le reste je pourrais vous le montrer sans problème. Moi je me suis fait plaisir aussi, je me suis pris 2-3 trucs et franchement j'ai trop hâte, je suis vraiment très contente, ça valait vraiment le coup. Et je vous ai aussi partagé sur mon Instagram un bon plan, c'est toujours Liesse qui les trouve, hein, avec D-Labs en fait sur Glossybox. En fait normalement le calendrier de l'avant Glossybox était à 99€. Ils disent qu'à l'intérieur il y a une valeur de produit de 619€, donc bon ça après est-ce qu'ils gonflent les prix ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, Liesse a regardé un peu le descriptif, m'a dit que ça avait l'air d'être des produits quand même assez sympas. 99€ pareil, je trouve ça beaucoup trop cher, et il l'a trouvé donc avec un code promo que je vous ai mis sur mon compte Instagram qui est je ne sais déjà plus 50 singles avec un S je crois, day. Attendez, je vérifie parce que j'ai une mémoire de 4 secondes moi. Mais avec le code 50, donc 50, single, donc S-I-N-G-L-E-S, day, D-A-Y, tout ça attaché, je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos, il passe à 49,50€ frais de port compris. Donc ce qui est plutôt raisonnable, en sachant qu'à l'intérieur, Liesse a regardé, il n'y a que des produits full size, donc que des produits format vente. Donc ce qui est plutôt pas mal, je lui ai dit de pas me spoiler parce que je voulais pas trop savoir, je lui ai dit est-ce que tu peux donner 2-3 marques, et il y a de très très belles marques, donc je pense que ça devrait le faire, et puis bah, les produits que je n'utiliserai pas forcément, Kisha se servira, et ensuite bah pareil sur le groupe de dons, je pense que ça trouvera bonheur, parce que dans un calendrier de l'Avent, on n'est pas forcément, en tout cas quand c'est comme ça, très très mixé, on trouve pas forcément tout top, puisque bah, évidemment... voilà, je sais que par exemple avec le L'Occitane je vais pas être déçue puisque j'aime tous les produits de la marque, mais effectivement quand vous commencez à partir sur les produits maquillage et tout, selon votre type de peau c'est un petit peu plus délicat, mais en tout cas pour le prix ça vaut grave le coup. Et donc Liesse m'a dit après bah, je te l'ai commandé. Bon bah écoutez, bah voilà, ça me fera 2 calendriers de l'Avent. Donc je pense que je m'arrêterai là, je pense, parce qu'avec moi rien n'est jamais certain. Mais voilà, donc je suis très très contente. Voilà, donc je vais aller ranger tout de suite le sac parce que je ne veux plus que accumuler, je ne veux plus qu'il y ait du bordel partout. Je vous montrerai le garage aussi à l'occasion qui a été complètement rangé, toutes les étagères ont été nettoyées et tout, franchement nickel. Il y a juste une caisse pour l'instant qui est un peu envahissante, mais c'est tous les trucs qui sont en vente sur mon Vinted, en sachant qu'hier j'ai refait un gros tri dans mes stickers. Voilà, donc des 3D, des stickers Disney, des stickers un peu de tout. Donc j'ai essayé de faire des lots assez cohérents, j'ai essayé de mettre des prix pas trop chers. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire des offres dans, comme je vous dis, à la mesure du raisonnable. En général, je les accepte toujours, ce qui est le cas ce matin. D'ailleurs, des fois c'est bizarre, les gens me font une offre, je l'accepte, ça me paraît raisonnable, 1 ou 2 euros de moins, ça me paraît raisonnable. Et ensuite, il se passe plus rien. Très bizarre les gens. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Et ensuite... quand l'article se vend dans un lot, un truc comme ça, ils reviennent vers moi en me disant « Bah ouais, mais t'avais accepté mon offre ?»« Bah oui, j'ai accepté ton offre, mais si tu la valides pas, si tu la payes pas, bah si quelqu'un d'autre passe après toi et la paye, bah premier arrivé, premier servi, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien y faire, moi, c'est fait, quoi. » Donc voilà. D'ailleurs, j'ai un sac avec 4 paquets qui sont prêts, donc demain, j'imprime les bons et je les déposerai au plus tard. Donc du coup, mardi, je voulais demander à Kisha, mais elle a plus beaucoup d'angle dans son imprimante, donc je vais pas lui casser les pieds, et je les déposerai mardi. Voilà, bah écoutez, on va tranquillement, je pensais aller sortir Diego, et ensuite je vous montrerai bah, les figurines qu'on a trouvées justement aux encombrants, et je vous montrerai aussi le puzzle fait et étonnamment complet et dans un état nickel. Donc voilà, donc un très très bon week-end. Comme ça, je vais vous montrer les figurines qu'on a trouvées donc, aux encombrants, donc dans le fameux carton sac là. Il y avait du truc. Je ramène la baguette magique. Je l'ai déjà montré, mon cœur. Oh. Donc ce Mickey là en mode Jack. Trois figurines de l'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque comme je vous l'ai déjà dit, Liesse adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, deux petites figurines Vaiana d'ailleurs que je vais monter dans mon... T'as déjà montré mon collier ? Oui, j'ai montré ton collier aussi, que je vais monter dans mon bureau. Et donc je vous disais, le puzzle, voilà, le voici terminé. Et il est complet, comme vous pouvez le voir, il est en parfait état. Donc autant vous dire que Swan est ravi. Donc là, on vient recevoir la commande dont je vous parlais tout à l'heure, Amazon. Et en fait, ce sont... Attends, avant que tu l'ouvres... En fait, c'est 16 jouets comme ceci sur les couleurs, en fait. Attends, mon cœur, retire ton bras deux secondes. Sur les thèmes de Noël, en fait. Donc, c'est plein de joujoux comme ça. Donc, on va en sortir 2 ou 3. Il y a des cordes, des balles, des pouettes. Donc, des voilà. Des pommes. C'est quoi le sac, là? T'as des joujoux? Donc ça a coupé, mais je disais, voilà, il y a plein de jouets comme ça, il y en a 16 au total, donc vous avez des cordes avec des boules,
Voilà. Une corde avec un truc à mâcher. La petite pomme qu'il a, elle fait pouet pouet. Voilà. Enfin, il y a 16 jouets. Après, encore des cordes, des trucs, des étoiles, des. Qui sont pouet pouet là. Enfin, bref, je vais pas tout déballer parce que ça va les exciter. Mais voilà, il y a 16 jouets. Voilà, ça se fait un peu mieux quand même. Je vous disais donc mardi dernier, il y avait moins 25% sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur le shop Disney. Et il y avait même moins 25% sur des articles qui étaient déjà soldés à moins 30%. Donc ça valait vraiment le coup. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris, même parfois pour la fin de l'année, mais je sais qu'il n'y aura pas de risque. Mais effectivement, les trois autres articles, il y en a deux qui resteront pour chez nous. Et il y en a un qui va partir incessamment sous peu. Mais j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure et au pire des cas. De toute façon, à la fin de l'année, je vous laisse toujours montrer. Enfin, je vous fais toujours montrer en vidéo. Les découvertes des enfants. Alors j'ai pris ma petite liste, comme ça je vous dis pas de bêtises. On va commencer donc pas par ça. Je viens d'organiser mais c'est pas encore ça. On va commencer, tiens, on va commencer par la jeune Mirabelle de la famille Madrigal. Donc si vous le savez pas, Sohan et moi notamment, on a adoré Encanto, surtout les musiques. Et ils ont sorti la petite Mirabelle comme ceci, un peu style bébé animator. Donc moi en animateur j'en ai une qui n'est pas déboxée là-haut qui est belle et j'ai déboxé en fait Tarzan, si c'est Tarzan, non c'est pas Tarzan, à chaque fois je me trompe, c'est Mowgli, c'est Mowgli, à chaque fois je me plante, c'est Mowgli, donc voilà, et là ils ont sorti la jeune Mirabelle qui est trop trop mignonne, donc je pense que très clairement elle sera déboxée. Peut-être qu'avec le temps la belle aussi je la déboxerai parce qu'en fait les animateurs on va dire petites filles ne sont pas déboxées. Comme je vous disais donc Mowgli est déboxé parce que je l'ai acheté comme ça en fait en seconde main. Belle elle est dans un carton donc elle tient bien là-haut mais elle j'ai peur qu'elle tombe et puis bah, j'ai envie d'en profiter. Donc je vous la montrerai déboxée. Je vais la mettre sur mon petit fauteuil d'enfant à côté de Mowgli justement. Et voilà et je la trouve mais trop mignonne avec ses petites lunettes et tout, ses petites bouclettes. Voilà, donc normalement Mirabelle était à 30€ et elle est donc passée à 22,50€, ce qui vaut quand même le coup. En sachant que l'une d'entre vous m'a demandé par rapport à la fée clochette, qui cherchait la fée clochette, donc j'ai vu qu'elle était revenue effectivement sur le parc il n'y a pas très longtemps. Sauf que je lui dis fais attention parce que pour moi sur le shop Disney les animators sont à 28€ et sur le parc elles sont à 35€. Faut que je vérifie du coup pour elles, voir si ça évolue ou pas. Et là j'ai pas fait gaffe, effectivement elles sont passées à 30€ sur le shop Disney. Ce qui reste en tout cas pour le moment plus intéressant que sur le parc, puisque sur le parc, sauf erreur de ma part, elles étaient à 35€. Donc je pense que si elles ont bougé, malheureusement elles ont augmenté. Mais j'irai vérifier ça. Ensuite j'ai pris un petit Wally robot télécommandé. Donc comme ceci, il est tout petit, il a l'air trop mignon. Donc ce truc là normalement était à 30€ aussi et donc je l'ai eu à 22,50€. Moi j'aime beaucoup Wally et Eve, voilà les deux personnages. Le dessin animé en lui-même, je suis pas une grande fan, je l'ai vu deux ou trois fois peut-être. Mais j'ai trouvé ce petit robot vraiment trop mignon. Donc voilà, donc j'ai craqué sur ce petit truc et bah, on verra quand on le fera fonctionner. Mais trop mignon le petit Wally, donc voilà. En Wally j'ai un gel douche qui d'ailleurs faut que je pense à vider. Et juste des pop, ouais, et sinon j'ai rien et je le trouvais vraiment trop canon. Et donc, je vous montre tout de suite le cadeau puisque j'ai là, comme vous pouvez le voir, c'est marqué gratuit. Donc puisqu'à partir de, je crois que c'était 70€ d'achat, vous aviez un produit offert. Donc il y avait le choix entre un set de princesse et Buzz. Le set de princesse me faisait clairement bugger mon panier, en plus j'étais pas forcément fan. Et j'avais pas vu en fait qu'il y avait Buzz. Et je me suis dit, oh mais Buzz, obligé, il faut que je le prenne. En plus, c'est Buzz du film, il n'y a pas longtemps, Sohan nous en a parlé. Et du coup, je pense pas que je l'aurais, parce que je me suis dit, à mon avis, il y a dû y avoir une tonne de commandes. Et si, il est bien là. Donc, c'est une grosse figurine comme ceci, donc c'est gratuit, c'est offert. Il n'y a pas le prix, mais il me semble que quand on l'a repéré avec Sohan dans le deuxième parc Disney, je crois qu'il était aux alentours des 25 ou 30 euros. Je revérifierai quand on ira, mais franchement, voilà. Donc, c'est le Buzz articulé du film, par contre. Pas du dessin animé, donc Sohan ne l'a absolument pas. Lui il a des buzz, mais des buzz du dessin animé, donc voilà. Donc à voir, Yes m'a dit résiste, mets ça de côté pour la fin de l'année. Donc je vais essayer de résister et mettre ça de côté pour la fin de l'année. Et si je n'y arrive pas, ben bon, après ça arrive bientôt à la fin de l'année. Donc voilà. Ensuite dans les gros articles, nous avons pris
pour la petite nièce de l'IS une Animator. Donc il y avait quand même pas mal de choix. Donc c'est pour ça que j'ai vu là effectivement au lieu de 30 euros, je l'ai eu à 22,50 €. Et on a décidé de lui prendre la jeune Belle. Voilà. Et il y a 2 ans, on lui avait offert Pocahontas, je crois. Là, il n'a rien à voir, on lui a offert un bébé panda là qui faisait des bébés. Un panda animé là. Si c'était un panda, je crois. Et donc là, on s'est dit, on va repartir sur un Animator. Et voilà, 22,50 € au lieu de 30. Franchement, ça vaut le coup. Et je vous dis, il y en avait, je crois qu'il y avait 5 ou 6 choix quand on a regardé, ou peut-être plus, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on s'est dit, Belle. Joli clin d'œil, surtout, on est sûr. Attendez, qu'elle ne l'est pas. Et ensuite, on a pris des pins. D'ailleurs, il faudra que je vous montre parce que j'en avais pris 3 sur le parc la dernière fois qui sont déjà installés sur ma planche. Donc, il faudra que je vous montre ça. Alors, on va commencer dans l'ordre. Revenons en arrière, n'est-ce pas? Oui, il y a plusieurs pages puisque je vous dis, il y a 3 articles que malheureusement, je vous montrerai bien. Mais si quelqu'un tombe sur ma vidéo, c'est foutu. Alors, au lieu de... Donc, normalement, ce pin-là, de base, il était à 20 €. Il était en promo à 14 € et moins les 25%, il est passé à 10,50 €. Donc en gros, moins 50%. Donc très très cool. Donc c'est un pins Bambi comme ceci. Et la petite particularité en fait, c'est qu'il se retourne. Donc, je vais le défaire pour vous montrer. Après, la question est comment je vais le placer sur ma planche, un côté ou l'autre. Il faut que je regarde l'autre côté ce que ça donne. Mais normalement, il était réversible. Oh, ça va être compliqué là. Hein. Donc d'un côté, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec le soleil là? D'un côté vous avez Bambi avec Pampan et Fleur. J'espère que vous allez bien voir. Qu'est-ce qui se passe avec le soleil là tout d'un coup? Et de l'autre côté vous avez Bambi, Pampan et Fleur mais en mode je fais dodo. Trop mignon. Dans un cadre comme ça. C'est vraiment trop mignon. Donc autant à 20 €, autant vous dire que je ne l'aurais pas pris. Mais bon voilà, à 10 €, j'ai trouvé ça plus que raisonnable. Et vous voyez, vous pouvez le faire tourner. Donc je vais réfléchir à ça. Je vais peut-être refermer un peu mon truc là, je vais me crever les yeux là. Ensuite j'ai pris un Pins Coco. Alors dans la collection Coco, j'en ai qu'un seul. Je crois que c'est le jeune Miguel que j'ai. Et là j'ai pris Hector. Hector c'est un personnage que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vais vous montrer après. Attendez, je vais baisser un peu le stand. Maintenant c'est la catastrophe, j'ai plus d'yeux là. Bon tant pis, ça fera un peu ça, te donner un fever sur ma figure. C'est pas très gênant, c'est un peu beau la facette. Mais c'est mieux que se brûler les yeux quand même. Donc je vous disais, dans l'univers des Pins Coco. Où sont les Pins Coco? Je ne sais pas, j'en ai qu'un de toute façon. Et c'est Miguel normalement. Je sais pas sur quel planche il est. Et j'adore Hector, j'aime beaucoup beaucoup ce personnage là, je le trouve super attendrissant. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, j'avais acheté un Hector qui était en promotion pendant les soldes Disney, parce qu'à l'époque les soldes Disney ça valait vraiment le coup. Et j'avais pris Hector justement en personnage, d'ailleurs je vais vous le montrer parce que j'ai pu enfin le déboxer grâce à un achat que j'ai fait sur Amazon. Et je l'avais aussi offert au fils de Mel de la chaîne Happy Together 17. Vraiment ça valait vraiment le coup, je crois que la figurine elle revenait à moins de 10 €. Et là en fait j'ai craqué pour ce pins là. Donc Hector, maintenant il veut plus faire le focus lui, voilà. Donc avec sa guitare et tout, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Hector normalement était à 10 €, donc en promo sur le site à 7 € et moins les 25%, donc à 5,25 €. Donc franchement 5,25 €, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et le dernier pins que je vais pouvoir vous montrer, pareil c'est un pins qui se tourne, donc ça c'est Liès qui me l'a offert, parce qu'en fait on a divisé la commande en 2, parce que lui a pris des trucs pour notamment sa nièce, et des trucs pour la fin de l'année, donc 2 articles que je peux pas vous montrer. D'ailleurs il y a les 3 articles, c'est à cause de lui que je peux pas vous les montrer. Et dans ma commande il m'a pris aussi ce pin là, donc normalement il était à 10 €, en promo à 7 € et les 25% passés dessus, donc je l'ai eu aussi à 5,25 €. Et c'est un pins de la Belle la Bête, voilà. Et vous avez Belle dans le miroir comme ceci, et de l'autre côté normalement vous avez la Bête. Je vais vous montrer tout ça, c'est pareil de quel côté je vais mettre, c'est ça le truc. Je pense que Bambi, je les mets du côté où ils font dodo, parce qu'ils sont vraiment trop mignons en train de dormir. Et là, bah, je sais pas, peut-être le côté de la Bête. Ouais, peut-être du côté de la Bête pour changer. Et voilà, et vous pouvez donc le faire tourner et vous avez la Bête de ce côté-là, ou sinon la Belle. Voilà, donc très très joli. Il y avait énormément de pins, c'était un truc de fou. Maintenant, j'ai essayé de me raisonner aussi, parce que bon, bah voilà, le but c'était pour acheter aussi des trucs pour la fin de l'année. Mais voilà, une commande super intéressante. Et en plus, bah, un cadeau super sympa. Parce que je vous dis, le buzz,
Je suis sûre qu'on l'a vu dans la partie du deuxième parc, là où il y a le Campus Avengers. Et pour moi, la figurine vaut dans les 25-30 euros. Donc vraiment un très très joli cadeau que je ne pensais pas avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger tout ça, puisque tout à l'heure les garçons vont arriver, donc au cas où le temps passe trop vite pour moi. Et je vous montre le reste tout de suite pour vous dans la foulée. Voilà, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Donc je vais vous montrer la suite. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ah oui, oh, j'ai oublié un truc aussi encore. Oh, j'oublie toujours un truc. Bon, j'avais recommencé à filmer, mais m'a fait erreur carte mémoire. Donc je pense qu'il va être grand temps que je change ma carte mémoire. Donc je vous disais que j'en profitais, j'allais chercher un truc pour vous montrer la jeune Mirabelle, donc déboxée. Voilà, avec ses petites chaussures et tout. Franchement, elle est trop mignonne. Voilà, avec ses petites lunettes, ses petites bouclettes et tout. Franchement, elle est adorable. Donc je vais la mettre à côté, comme je vous disais, de Mowgli. Donc je vous disais que j'ai la chance au travail de travailler pas loin des cast members, enfin de certains cast members qui sont toujours adorables, ils pensent toujours à moi. Et là, il y en a un d'entre eux qui m'a ramené donc la broche en fait pour Noël en fait, la période hivernale. Donc j'avais eu celle des 30 ans, j'avais eu celle d'Halloween et voici celle pour l'hiver. Donc généralement vous les avez dans les hôtels, après rien ne vous empêche de demander dans le parc. Mais franchement je trouve que cette année, je vous disais, ils ont vraiment assuré niveau... niveau badge en fait, je les trouve vraiment très jolies. Ensuite ils m'ont ramené ça pour Ilan en fait, donc Ilan a déjà une lanière, mais je crois que c'était le roi lion, je suis pas sûre, mais elle est déjà bien chargée. Donc là ils lui ont ramené ces 3 PO là, c'est ça. Alors est-ce qu'il va bien vouloir faire le focus? Voilà, ces 3 PO d'un côté, et de l'autre côté vous avez R2-D2, voilà. Donc il va être trop content, donc je vais lui donner ça tout à l'heure, parce que sa première lanière est déjà bien chargée. Et lui aime beaucoup beaucoup l'univers Star Wars. Bon, lui il veut plus rien faire, voilà, il est en mode laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Voilà, avec le petit badge, donc je vais lui donner ça tout à l'heure. Et je vous disais, bah, du coup j'ai retiré les papiers parce qu'elle était encore dans son emballage. Et encore le prix 25 €, et je vous disais que j'étais pas sûre que j'utiliserais, parce qu'il me semble qu'il y a eu des soucis sur cette gourde où la peinture finissait par partir. Donc je vais la mettre en déco, je vais retirer l'étiquette et la mettre en déco. Et franchement, elle est trop belle en iridescence, comme ça, avec marqué Disneyland Paris. Et ici, vous avez le flocage des 30 ans. Voilà, donc j'étais super contente qu'ils pensent à moi. Elle est vraiment trop trop belle. Et elle était quand même vendue 25 €. Ça pique, hein. Elle est vraiment très jolie. Et j'ai eu aussi ce set de table Olaf. Voilà, qui normalement est vendu 5 €. C'est pareil, c'est cher, hein. Ça cher pour un set de table quand même. Bon, après il est très joli, hein, mais voilà. Donc pareil, très très sympa. J'étais ravie, je fais gaffe qu'il ne me fasse pas re-erreur carte mémoire. Donc comme ça, je vous ai montré ça. Je me suis fini, sinon j'oublie la moitié du truc. J'ai reçu la pop du mois, donc ce sera la dernière pour le moment de Pop in a Box. Puisque comme je vous l'ai dit, en fait, niveau pop, j'en ai vraiment vraiment beaucoup. Celle-ci, je pense que je vais quand même la garder. C'est Make a Wish, c'est la collection Make a Wish. Je l'ai eu à pas très longtemps, Sully, mais là c'est Sully en mode iridescence. Et franchement, elle est plutôt sympa. Voilà, comme ceci. Donc Pop in a Box, je regrette absolument pas mon abonnement. J'étais abonnée depuis 4 ou 5 ans. J'ai rarement, franchement, rarement été déçue. Mais là, j'ai beaucoup trop de pop. Donc comme je vous disais, bon. Il faut faire des choix et je vais privilégier d'autres figurines. Et si je craque pour des pop, j'y reviendrai. Mais en tout cas, si vous avez des enfants, c'est un abonnement qui est super sympa. Vous choisissez l'univers, mais en l'occurrence, on a pris Disney. Il faut prendre le temps de marquer celle que vous avez déjà dans votre collection, celle que vous ne voulez pas et celle que vous voulez. Ça prend un peu de temps, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Et voilà. Donc je pense que celle-ci, je vais quand même la garder pour le moment. On verra avec le temps. Ensuite, Amazon. Il en reste plus qu'un du coup. Amazon, j'ai, ça je vais pouvoir le jeter, ça je vais le montrer pour vous montrer, de toute façon je vais vous montrer après le truc installé. J'ai gardé tous les papiers, mais en fait il me reste plus qu'un socle. En fait j'ai commandé sur Amazon un lot de 6 socles pour pouvoir déboxer des figurines, notamment vous savez style les poupées et tout là, style un peu poupée Barbie, voilà. Et quand je les ai commandés, les 6 socles, c'était... donc vous mettez le bâton dans le cercle et ensuite la petite attache ici pour mettre à la taille. Quand je les ai commandés sur Amazon, c'était 10 €... Attendez, j'ai noté. 10,99 € les 6, que je trouvais pas forcément déjà hyper donné. Mais bon, je me suis dit ça allait pour 6 socles. Franchement, puisqu'ils sont super bonne qualité et tout. Sauf que là, quand j'ai regardé pour essayer de vous mettre un lien après, j'ai vu que c'était monté à 16 €, je crois, ou 17 €. Donc je pense que vous pouvez trouver moins cher, ou même peut-être sur AliExpress
ou Chine ou autre, où je vous mettrai le lien et regardez régulièrement puisque sur Amazon ça fluctue aussi. Donc ça vous fait un socle en plastique comme ceci, la tige, et ici vous pouvez régler en fait pour mettre à la taille de la poupée et pour la déboxer, mais je vais vous montrer tout de suite après ce que j'ai déboxé. Donc j'ai pris ça sur Amazon, et sur Amazon, ah oui, alors la seule déception c'est que je l'ai reçu sans le capuchon, mais on s'en passera. Je vous ai montré que j'avais pris la brume parfumée Pink Sugar, et j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi un spray spécial pour les cheveux. Donc je l'ai payé 13,69€ et ça sent le bonbon. C'est super agréable, une fois que je suis coiffée j'en mets un peu dans mes cheveux, j'en ai mis un peu ce matin, et vous sentez le bonbon, la barbe à papa. Ça sent extrêmement bon, j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, sachez qu'il existe une brume spéciale cheveux, donc dans cette gamme là. Je vous dis, moi le seul hic c'est que j'ai pas reçu le bouchon, mais bon, le bouchon en soi, de toute façon je finis toujours par les paumer, les bouchons. Je crois que c'est tout, du coup je vais vous montrer les figurines installées que j'ai pu installer grâce à ça. Voilà, puisque ça faisait un moment qu'elles étaient en boîte et je voulais absolument les déboxer. Alors du coup la première figurine qui se trouvait ici en fait c'est Maléfique, que j'avais pris à l'époque sur Amazon. Faut savoir que ces figurines là sont en vente actuellement chez Noz au prix pardon, de 13,99€. Donc voilà, donc je sais que je vais en avoir une à la fin de l'année, donc je suis trop contente. Ma soeur en a trouvé une, enfin elle avait trouvé Maléfique mais je lui ai dit que je l'avais déjà et une autre. Et donc voilà, elle est fournie avec ses petites chaussures, un petit truc de feu là, de flamme, son collier aussi que je lui ai mis là, et son bâton. Ensuite j'ai pu obtenir aussi donc Evil Queen, donc là c'est une qui vient de chez Noz, pas de Amazon. Donc elle est très très jolie aussi, Evil Queen, elle est fournie avec un petit seau comme ceci, et à l'intérieur vous avez une petite pomme empoisonnée comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, franchement elle est très très jolie aussi. Donc voilà, Mademoiselle Evil Queen. Et donc vous voyez que le socle du coup elles tiennent et on peut mieux profiter je trouve de ces figurines là, parce qu'en plus ces deux figurines là elles sont sinon dans des boîtes et vous n'avez aucune possibilité de les voir, vous savez, il n'y a pas de, c'est pas comme ça où vous pouvez voir à travers. Ou par exemple ces petites boîtes là que je vous avais montré, qui font comme des livres, où quand vous ouvrez vous apercevez la figurine, vous voyez là par exemple c'est une petite Maléfique. Elles sont vraiment dans des boîtes cartonnées complètement fermées. J'ai pu déboxer aussi Lady Tremaine. Donc Lady Tremaine, c'est Mel de la chaîne Happy Together 17 qui me l'avait offert. Donc c'est la Lady Tremaine version film. Et donc je suis super contente d'avoir pu l'exposer à côté des deux autres méchantes. Voilà. Donc très très bien. La chaîne Fée Clochette, elle était déjà en fait, elle était déjà comme ça en fait déboxée, mais elle tenait par miracle, donc là au moins elle tient bien avec un socle. Et surtout j'ai pu déboxer Hector. Donc Hector c'est un petit peu compliqué, donc il a fallu que je descende bien, vous voyez le cercle au niveau de ses hanches puisque c'est un squelette. Donc voilà, et je lui ai juste laissé les bandes plastiques qui tiennent la guitare, puisque c'est une figurine musicale, je vous ai mis un peu sur Instagram. Et devant du coup je lui ai mis la pop Dante que j'avais acheté je crois sur la Fnac il me semble. Voilà, et je suis super contente parce que au moins je peux profiter de ces figurines là, parce que sinon bah, le souci c'est qu'on les voit pas spécialement. Donc je suis vraiment très très contente de cet achat Amazon. Et donc sinon je vous avais expliqué que j'avais mis deux grandes planches de pins dans notre chambre. Donc là notamment il y a tous les pins médailles. Voilà, donc ça c'est les médailles notamment 2019 run, bah dernier, premier et dernier run pour l'instant auquel l'IS a pu participer. Ilan aussi puisque bah, malheureusement il y a eu le Covid. Voilà, là les pins que je vous avais montré dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois. Et puis enfin le 12 avril, donc tous ces pins là je vous les ai montrés dans des hauls. Voilà, avec ceux des 30 ans. Là j'ai installé, donc comme je vous les ai montré précédemment, enfin il y a quelques minutes pour vous, Bambi et la belle la bête que j'ai acheté donc sur le shop Disney. Ça c'était ceux de la Saint-Valentin. Là c'est tous les méchants, avec aussi ceux de Cruella pour la bonne année. Ça c'est Pauline qui me l'avait offert via mail en fait. J'aime beaucoup ce pin, celle qui l'a créé. Alors, je sais pas si elle en fait encore, mais vraiment très très beau. Pins des 30 ans, celui-là je l'adore, avec la fée Clochette. Pour la Saint-Patrick chez Shire, voilà, le pins Alice. Et tout ça ce sont des éditions limitées. Et ensuite sur la planche d'en dessous vous avez donc toutes les animators. Alors c'est plusieurs séries différentes hein, puisqu'ils en ont sorti 3 ou 4 différentes. Donc voilà, toutes les petites animators. Ensuite vous avez donc pas mal de méchants. Voilà, avec ce duo là qui était vraiment très sympa, la reine de cœur avec son mari. Ceux-là je vous les ai montrés il n'y a pas très longtemps. Pareil, j'avais hésité, finalement je les ai eus sur Vinted. Tous ces pins là aussi que j'aime beaucoup. Je crois qu'Evil... Oh non,
Maléfique, on l'avait trouvé sur Vinted et tout le reste, on les a trouvés sur le parc. Et ça, c'est les méchantes que je vous ai montrées il n'y a pas longtemps. Et quand je suis allée au parc la dernière fois, j'ai vu qu'ils avaient sorti trois petits méchants comme ça. Donc Jafar, Hadès et le Capitaine Crochet. Donc c'est les trois fameux pins dont je vous parlais. Donc je les ai eus à, je crois que c'est des pins qui valent normalement 9 euros et moins 10%. Donc je les ai pris, j'étais trop contente. Maléfique, celui-ci je l'adore aussi, c'est lui qui m'a acheté en brocante. En fait il s'ouvre et vous avez la Evil Queen en sorcière qui donne des pommes. Celui-ci c'est Elias aussi qui m'a la plupart, de toute façon c'est Elias qui nous a offert, comme ça on va gagner du temps, hein, ce sera beaucoup plus simple. Ça c'est les derniers que je vous ai montré de la maison hantée que j'ai acheté. Pareil, celui-ci c'était dans la... je l'avais acheté en même temps, voilà, pas mal de l'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque je voulais chatter, mais il y a ça, adore l'étrange de Noël de Monsieur Jack, toujours les méchants, voilà. Hop, 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 ça c'est deux que j'ai pris aussi, qui étaient en édition limitée, j'ai réussi à avoir Jafar et Ursula. Et ici vous avez les pins Halloween que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, et Ilan a tenu à mettre le sien ici pour qu'il soit dans la collection, donc j'ai trouvé ça mignon de sa part. Voilà, comme je lui ai dit, de toute façon si tu veux le prendre, tu sais où le trouver. Donc voilà, je trouve que ça fait plutôt cool et c'est pas gênant dans notre chambre puisque nous n'avons absolument rien sur nos murs. Voilà, donc là je vais ranger tout ce que j'ai mis parce que maintenant je range au fur et à mesure pour pas envahir mon bureau. Je surveille dehors puisque chez moi le facteur passe relativement tard, mais Issoane a déjà reçu une enveloppe et j'avais demandé à ce qu'elle soit mise à son nom et prénom puisque je remercie celles qui ont accepté de lui envoyer des cartes Marvel. Donc du coup, là, il y a une première enveloppe qui est arrivée, donc bien sûr, je ne l'ai pas ouverte et je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Donc c'est celle d'Isabelle et j'en attends une deuxième qui devrait pas tarder. Si, c'était Isabelle celle-ci, parce qu'avec les prénoms, j'ai du mal aussi, c'est bien ça. Et j'en attends une deuxième et c'est vrai que la pauvre m'a envoyé un message hier en me disant l'enveloppe est arrivée, je lui dis toujours pas. Bon, après, le facteur passe assez tard chez moi, donc j'ai bon espoir pour aujourd'hui ou au plus tard demain. Et voilà, donc normalement, demain, on emmène les garçons voir Wakanda Forever, donc le deuxième Black Panther. Donc ce soir, Lies sort avec un ami, donc je vais en profiter pour regarder le premier Black Panther avec Ilan et Swan, puisque Ilan l'a déjà vu, mais Swan ne l'avait pas vu en entier. Donc comme ça, même si je pense qu'il peut voir le 2 sans avoir vu le 1, comme ça au moins il saura un petit peu de quoi ça parle. Voilà, il avait vu une grosse partie, mais je crois qu'après il s'était endormi. Voilà, donc je vais ranger tout ça, et on se retrouve tout à l'heure avec Swan et la découverte de ses cartes. Finalement, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je pense qu'il va durer assez longtemps et je recommencerai à filmer dès ce soir, donc notamment avec Swan qui découvrira les cartes Marvel. Et j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, mais j'ai peur que sinon ce soit beaucoup trop long. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite. Ciao !